Eh bien, bonjour à tous, j'espère tous d'être bien, c'était Lucas l'Ouest, et je commence déjà à me faire en rentrant dans l'ensemble Pokémon, alors que je ne voulais pas rentrer dans l'ensemble Pokémon, j'espère que, en tout cas, que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 du Let's Play sur Pokémon Sacred Gold, les gens. La dernière fois, eh bien, on avait fini la tour radio, et on avait galéré un petit peu, parce que les niveaux étaient assez élevés. Je vais faire une séance d'XP pour la 8ème arène, bien entendu. Mais aujourd'hui, on va tout simplement se rendre tranquillement, bien sûr, à Ebenel, à la dernière ville, bien sûr. Pour ce faire, on va bien sûr repartir d'Akajou. Et je vais voir également certaines choses pour changer ma team, les gars, parce que Faramp et Florizarre ne sont absolument pas certains dans la team. J'hésite encore avec d'autres Pokémon. Donc, tout simplement... Il reste encore des choses à faire. Voilà, ce sujet, donc j'hésite encore avec d'autres Pokémon. Il y en a notamment un que je suis presque sûr de prendre, vous verrez en temps voulu de qui je parle. En tout cas, en attendant, on reste comme ça. Mais il y en a un que je vais prendre sûrement, j'en suis quasiment sûr. Et vous verrez en temps voulu de qui je veux parler. Alors là, il y a un dresseur qu'on va affronter avec Farfetch. Let's go. Voilà, protect Farfetch. Et elle est sûre de gagner. Bah écoute, c'est bien pour toi. Hein, mais... Le petit Xatu là qui va se prendre son petit. Ouh, il va se prendre son petit rapace. Allez, salut. Voilà. Et au 47 pour Farfetch. Le petit Spun qui va prendre également son rapace. Et le petit Girafari qui va se prendre également le rapace. Voilà, ça one shot, c'est pour vous. Et non, bon, on va soigner Can Artichaut. Hein. En tout cas, ça fait plaisir, hein, parce que alors, les dégâts qu'on se prend dans les gueules, là, les cartes chaud qui clean, hein, c'est pour vous. Hein. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas. Et on est content, bien sûr. Ok. D'ailleurs, je veux juste faire. Est-ce que je vais trouver l'orbe vie, moi? Est-ce que j'ai trouvé l'orbe vie? Ah, par contre, j'ai 3 pépites, hein. Faudrait que je songe à les vendre. D'ailleurs, j'ai l'objet pour Dimoré, c'est marrant. Est-ce que je voudrais avoir un Dimoré comme dans... Unbound. Je ne sais pas. Un pêcheur, on va mettre du coup Ampharos. Ah bon, l'étendue d'eau, je la ferai en off. Hein. J'ai pas spécialement envie de prendre mon Flobio juste pour ça. Ok. Et ouais. Putain, on s'emmerde. Hein. Ok. Ok. Par contre, pourquoi... Pourquoi je suis allé en vélo, je ne sais pas, mais je l'ai fait. Hein. Alors toi, on va mettre Raidon qui est à la bourre un petit peu. Je pense que pour le 8ème match, je vais mettre niveau 50 en vrai. Tu parais fort. Hein. Eh ben on va voir ça du coup. Ah bah très très bon choix blitz ça. Je vais faire un petit Stone Age hein, parce que j'ai pas séisme malheureusement. Et donc Gémis. Évidemment Gémis, hein. Ok, il envoie un peu Léon, très bien. Ah par contre c'était très risqué parce que si j'avais séisme, tu te prenais des dégâts d'ouf, hein, on peut le dire. Par contre je vais pas rester, mais qui c'est qui peut venir en vrai? Hey, Ampharos il peut pas venir. Hein. Ok, c'est une full Whirlpool. Coco Jet. Le petit Farfetch là. Je pense qu'on va taper un petit close combat qui va, à mon avis, picoter un petit peu. Hein, je pense qu'on peut le dire, ça va picoter, hein. Allez, salut. Allez, Ampharos. Par contre, lui, il m'emmerde un peu, mais il y a Raidon, tout va bien. Allez, on va au Stone Age. Et cette fois-ci, tu mises pas, hein. À mon avis, ça part en 2 HKO, je pense, sans trop de soucis. Ok, le signal d'im qui fait beaucoup de dégâts, hein. Ok, évidemment, le double miss de Stone Age. Et c'est comme ça qu'il perd son duel contre un Faramp, bien sûr. Petit Venusaur là. Petit Petal Dance qui part. Ok, le statique bien sûr. Donc, en tout cas, je me fais
bien axé la gueule, hein. C'est pour vous, hein, bien sûr. Le petit sludge là qui fait le début. Donc, jolie fleur, Tellurie Force, c'est nouveau, hein. Ça vient de sortir, rassurez-vous, c'est le nouveau méta. Évidemment, je suis KO. Non, mais c'est comme ça qu'en fait, donc Confus plus Para, into défaite, quoi. Finalement. Allez, c'est dégage, c'est bon. Ok. Ouais, c'est comme ça qu'on perd, hein. Aïe, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, bien sûr. Bon. Allez, on est reparti, du coup. On va soigner sa team, puis on est let's go pour la suite. C'est bien. Ok. Du coup. Let's go. Je voulais pas t'affronter tout de suite, mais ok. Avec un Slowking, pas du tout bon Pokémon ça. Ah ouais, pas du tout bon, hein. Ah oui, on va voir Venusaur. Hein. Il est un peu psycho. Putain, mais Swagger, mais arrêtez, Lustrat, arrêtez, franchement. Enfin, heureusement que. Ouais. Ouais. Heureusement. Parce que. Hein, voilà. Ça allait faire bobo, je pense. Ok, bon. Allez, le Wolmer. On va mourir de discharge, hein, on peut le dire. Il vaut 42 pour Ampharos. Signal Beam. Ah, intéressant. Il va enfin pouvoir toucher autre chose que les. Que les types. Enfin, les types sol. Il va pouvoir toucher les types sol. Je vais y arriver. Hein. Oh, ça, c'est vraiment pourri, on va enlever. Petit Wolmer là qui va encore mourir de la discharge. Là. Et le Wailord qui va résister à la discharge par contre. Ah, le Water Spout qui fait 0 dégâts, bien sûr. Ok. Alors là, du coup, Ampharos il rattrape son retard, hein, petit à petit. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, je sais même pas pourquoi je prends les numéros, genre. Je suis pas certain que ça sert vraiment quelque chose, hein, mais. Oh, c'est pour Helicap ça! Intéressant. Il y a un élixir qui est caché là, ok. C'est pour Helicap du coup, hein. C'est très intéressant. Toi, je t'ai pas affronté, il me semble là. Non. Si vous entendez un bruit, je crois que c'est chez moi. Excusez-moi. Hein. Quand il y a pas. Quand c'est pas à l'extérieur, ça va être chez moi le bruit. Hein. C'est pour vous, hein. Bien sûr. Ok, donc Tropius, je pense que tu meurs. Ouais, non, mais tu vas pas rater. C'est bon? Bon, après, ok, on va dire que la vive griffe, c'est. La vive griffe ne s'était pas activée. C'est ce qu'on va dire. Quicksayer, ok. Quicksayer, c'est pour Venusaur, bien sûr. Ok, leur squad qui part. Par contre, est-ce que Cut tue? Ou c'est x4? Et Charizard, pas le bon Pokémon, ça, que j'ai là. Ouh, c'est pas le bon, hein. On va envoyer. Ouais, Typhlosion, ouais. Ah, c'est 2HKO quand même, hein. Je m'attendais pas ça. Et le Raichu qui va se prendre son déflagration et lui faire plus de cœur. Mais Typhlosion est vraiment pas rapide. Hein. Je pense qu'il doit avoir des sacrés EV en. Des sacrés IV de merde en vitesse, hein, parce que. Ouais. Je vais retourner me soigner. Ok, donc là il y a un ornithologue juste ici. On va mettre Aidon d'ailleurs, je pense. Pour l'ornithologue. On va mettre Aidon. Donc, qu'est-ce que tu sais à propos des Pokémon légendaires, Oiseau? Ok, le. Strength. Ça tue, je pense. Et le Roucarnage, même chose. Ou Bob. Fais agilité. Hop.
Niveau 46, qui va, il va prendre séisme. Hein. Pas du tout. Écoutez, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé. Hein, j'ai échoué. Ouais. Prends ton mur. Ah, c'est ça. Ok. Merci à tous, monsieur. Iceman. Ok. Écoutez, c'est parti pour la route de glace. On va passer un bon moment. Alors, fun fact, la route de glace, quand j'étais petit, j'étais bloqué. Voilà. Mais c'était pas dans cette version-là. Hein. C'était dans Pokémon Or, Argent, Crystal, parce que moi je suis un peu un ancien, vous comprenez. J'étais bloqué. Hein. J'étais bloqué. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû utiliser un repousse parce que j'aurais voulu voir les Pokémon qu'il y avait. C'est ce qu'on appelle un choke. Hein. Un choke du genre français. Bon, après, le repousse sera pas éternel, donc c'est pas très grave. On verra ça après. Mais ouais, la route de glace. Ah, Maganon, juste après les câbles, finalement, c'est cohérent. C'est cohérent. Ah, t'es là, toi? Écoutez, on va peut-être prendre une petite photo, là, pépère, quoi. Shade or. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas ce que ça fait. Si quelqu'un sait ce que ça fait cet objet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait intéressant, merci. Enfin, tu me diras, je pourrais juste chercher sur Google, mais bon. Après, ça permet d'interagir un peu avec la communauté, donc c'est cool. Eh, petite photo, c'est pour voir. Donc c'est cool en vrai. Ça me donne une occasion de commenter la vidéo. Voilà. D'ailleurs, au passage, je l'ai pas dit au début, mais si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et message à tous, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu sous la vidéo, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'en ce moment, c'était pas forcément ouf. Donc voilà. Ok, on est passé, c'est bien. Donc là, normalement, il y a quoi là? C'est Cascade qui est ici, normalement. Ah, mais du coup, ouais, je crois que lui, il t'empêche de... Je crois que lui, il t'empêche de passer, c'est ça? Ouais. On va le ramasser, du coup. Ça permet, en fait, de nous indiquer qu'il y a une CS ici, alors que dans Argent et Cristal et Or, premier du nom, on sait pas forcément, en fait. Par contre, je suis dans la sauce, là. Comment on fait, déjà? Ah, je suis pas le meilleur au monde à ces jeux-là, hein. Vous savez... Ah, c'est bon. Voilà, Waterfall, c'est ça. Mais je suis pas le meilleur au monde, hein, c'est pas bon. C'est pour vous. Ok. C'est une CS, n'est-ce pas? Oui. J'étais celui qui l'avait fait tomber, mais tu peux la garder. Enfin, je veux que tu la gardes. C'est à continuer en cascade, tu pourras franchir des cascades avec. Ok. Ben moi, j'ai surtout besoin d'une nouvelle paire de chaussures avant de penser à. Avant de pouvoir franchir les cascades. Par contre. Ok, donc je vais voir les Pokémon qu'il y a quand même. Je vais mettre Typhlosion first pour pouvoir fuir à coup sûr. Bien sûr! Allez, à bois, je t'en prie. J'ai bien chier ton monde. Normalement, c'est Shiruga qui a des problèmes avec les chiens maintenant. Moi, j'ai laissé ma place. Donc, si, là, on s'en fout, hein. Ok. Je sais plus si c'est la route victoire, on a besoin de force. Oui. Donc c'est le moment où ça va être le moment chiant de la vidéo, hein. C'est pour vous. Hein. Petit compact. Bah bon, si c'est que ça les Pokémon, m'intéresse pas moi.
m'intéresse pas tellement, c'est que ça... Oh non mais c'est pas très intéressant les gars. Ça vous fait preuve un peu plus d'originalité quoi. Ok. Ok, donc là, on peut voir Mamouchon. Mamouchon en vrai. Mamouchon que j'ai jamais eu, en let's play, hein. C'est pour vous. Hein. Et du coup, je peux pas passer ici. Hein. Voilà. Par contre, on s'emmerde là. Un petit peu quoi. Ouais, s'emmerde. Ok, donc là, on peut faire ça. Je sais pas. Y a un truc que j'ai pas capté, j'imagine. Bon, déjà, lui, ça va aller là. Apparemment les Pokémon ils ont pas l'air d'avoir changé par rapport à Or normal, hein. Enfin à Ergol normal. Donc voilà. Ils ont pas l'air d'avoir changé par rapport à Ergol normal. Mais du coup je crois qu'on peut faire ça. Eh non en fait on peut pas faire ça. Ah, j'ai mal play là. J'ai mal play moi. Mais du coup, si on fait ça, ça marche. Par contre. Ouais, ok. On va ramasser les objets. Qu'est-ce qu'il y a des objets à ramasser? J'ai les objets cachés, j'imagine. Voilà, carbone. Pas ça que je voulais faire. Ça te surprend de toucher la glace. Ok. C'est pour vous, bien sûr. Un grand moment de gaming, hein, bien entendu. Bah écoutez, finalement, je pensais qu'il y avait plus d'objets que ça de mémoire. Et eh ben je me suis trompé, donc du coup on va faire tomber le dernier rocher. Je peux passer? Possible ou pas? Ok. Ok. Oh, secours. Au secours. Merci. Du coup je vais faire ça. Ensuite, faut aller là. Ouais, ça, ouais. Ok. C'est... Ouais, bon. De toute façon, que les niveaux Pokémon, il n'y a que dalle, hein, d'intéressant. Donc, on va peut-être... Ok, l'objet, ouais. Potion max, très très bien. Ok, du coup. C'est pas ça que je voulais faire. Hein. Ouais. Ok. Ouais, ça casse la tête, hein, ça casse la tête. Ok, mais je crois savoir comment on fait. Ah, il y a Diliputu. Diliputu, c'est pas mal, hein, par contre. Hein. J'avais voulu l'avoir d'un bond à la base. Finalement, je me suis ravisé. Avec le recul, je me dis que l'avoir... ça aurait été pas mal, mais bon...
En plus, je serais en capacité de l'avoir maintenant si je veux, mais du coup, tout. Ça me dit rien de spé. Et donc, je tombe du mauvais côté. Comment faire du coup? Ah, mais du coup, c'est ça en fait. C'est con en fait, ok. Avec un total soin. Y'a pas le niveau cherche-objet, c'est RS. Ouais. RS, ok. Ok, avec la troc, j'ai pas de. Ah, si, j'ai. GGG. Ok, le glace éternel. Niveau cherche-objet, on est comment là? Y'a rien, ok. Y'a rien. Après, vous pouvez s'en passer des éclatroques ici. Hein. Vous pouvez clairement s'en passer. Allez, niveau cherche-objet ici, on est comment? Rien non plus, très bien. Donc l'escalier est là, mais je crois qu'il y a un objet à récupérer ou une énigme du genre. Hein. Ah, y'a ça. Ouais. On va faire ça du coup. Hein. Avalanche. Ouais. C'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Ok. Alors du coup ici, il y a des objets. Par contre là, il y en a. Ah, c'est là, ok. Un rappel, oui. Par contre, la Pokéball, là... Attendez, la Pokéball, c'est pas obvious, hein. Ou alors c'est moi qui suis débile, peut-être. C'est fort probable, d'ailleurs. Quoique, mais c'est... En vrai, c'est... Ah, mais si, c'est... Ok. On va tuer ça. Ah, mais non, mais... Putain, mais je suis con, c'était pas par là. Fallait juste le remettre un peu plus haut, en fait. Je suis débile, merci à tous. Ouais, donc... Voilà, là c'est bon. Quoique, non. Si, c'est bon. Laser Glass! Elle était pas là dans le... Si? Laser Glass! C'est fort ça. Qui va prendre Laser Glass là, dans ma team? Absolument personne, hein, je pense. Ah si, Raiden, hein, on va lui apprendre d'ailleurs, hein, wait. On va lui apprendre, bien sûr. Ok. Je peux grimper? Merci. J'imagine que là, il doit y avoir des objets, hein. Ouais, il y en a un... Il y en a un, quelque part. Protéine, ok. Ah oui, c'est vrai. Par contre, voilà. Oh, c'est toi, Lucas. Ravi de te rencontrer ici. Je te dis la vérité, mes sandales sont gelées sur la glace et je suis coincé ici. En d'autres termes, ouais, mes chaussures sont gelées avec le sol. Enfin, voilà. Un peu plus avancé, quoi. Ouais, ce n'est pas grave, tu peux-tu pousser mon dos? Ouais, tu es réellement kid mignon, j'imagine. Merci beaucoup.
Encore une fois, il y a une petite... Une petite quête à faire, là. Vraiment, c'est pas mon fort. Hein. C'est pas mon fort. Faudrait que j'aille là, mais comment, en fait. Comme ça, peut-être. Pas du tout. Ah, si. Ok, en plus, PP+, c'est utile. Hein. Bon. Là, j'aimerais bien sortir. C'est bon. Ok, let's go. Avec Ebenel, bien sûr. Ouais. Ouais, j'ai fait la route de glace. Ouais. C'est ça. Je vais éteindre ça chaud. Ouais. Ok, bon, on va visiter un peu la ville, je pense, avant de s'arrêter là. C'est bien, au sud d'Ebenel, il y a des dresseurs, ça me permettra d'XP ma team en off, comme je compte le faire. Donc pour le coup, c'est cool, ça. Ça, c'est très très cool. Hein ? Ok, d'accord, c'est bien. Mon petit flouzou est très très bien. Un peu de respect, merci. Alors, l'hippotrempe là, il était pas là normalement, je crois. Hein. Il était pas là. Ouais. Et quel est Draco ? C'est pas vrai pour moi ça. Est-ce que pour moi ça m'intéresserait même ? Pourquoi ça m'intéresserait. En vrai, maintenant que je me dis, en vrai, maintenant que je me le demande, peut-être bien, je sais pas. Peut-être bien et pourquoi, je sais pas. Oh. Ah bon. Ok. Intéressant. Eh bien. D'ailleurs, faudra que j'achète des objets de soin. Voilà. Mais bref, je ferai ça en off. Max Repel, ok. Ok. Ah oui, d'accord, ouais, move tutor. On va y aller, hein, justement. Donc là, du coup, ça c'est la route que j'utiliserai pour m'entraîner en off. Est-ce qu'il y a toujours des racailloux, des gravalanches, etc. Ou non, pas du tout, Vibrava. Je peux avoir Libégon. Oh, Libégon. Je peux aussi avoir Scorbol, hein, d'ailleurs, by the way. Très intéressant tout ça. Il y a le Caméru, c'est non, par contre. C'est pas que j'aime pas le Pokémon en plus. Hein. Caméru, j'aime bien, mais. Et les gravalanches, ok. C'est intéressant, hein, tout ça. Est-ce que les bégumes, ça m'intéresserait? Je sais pas. En vrai, il y a vraiment des possibilités, d'énormes possibilités pour la team. Hein. Mais je vais voir ça en off entre la 7ème et la 8ème arène. Ouais. Il y a énormément de possibilités différentes. Hein. Bon, je pense que je commence à faire le tour. Ok, le fameux Skarmory toujours là. Ok, donc et là du coup il y a l'entre-noir, c'est ça? Les Pokémon ont changé aussi, hein. What the fuck, ok. Mais c'est vrai, il dégage. What the fuck, c'est un Pokémon très marrant. Hein. Je me rappelle que Mastal avait joué dans son épisode. De No XP Challenge sur Crystal, c'était très drôle. C'est un Pokémon marrant à jouer, vous faites. Hein. Évidemment, je peux certainement pas sauter parce que sinon je me fail. Bref, vous verrez peut-être des petits changements dans la team dans le prochain épisode, allez savoir. Alors, est-ce qu'il y a des objets à récupérer ici? Non. Ok. Bon. Toi là. C'est... Toi t'es... Ah oui, non, mais toi c'est pour...
Ah mais du coup toi tu peux prendre un feu toi. Ah oui. Mais ça m'intéresse pas, hein. Mais je crois que... Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, quand il va prendre éruption, là, là, ça risque de changer la donne. Parce que éruption, c'est vraiment ce qui fait la force de Typhlosion. Et je pense que j'ai une lunette choix, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, lunette choix plus éruption. Ah, oui, 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 oui hein. C'est notamment pour ça que j'ai pris Typhlosion, parce que j'ai envie de jouer éruption. Puis Alligator, bon, c'était un peu trop cool. Hein. Super Road, c'est quoi? C'est Mega Can ou Super Can? Je sais même plus. Je sais plus du tout. Hein. En fait, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Je ne sais plus. Old God. Ah oui, donc Super Road, c'est Mega Can en fait. C'est la Mega. C'est la Mega. Ok, le Draco. Ouais, donc, ouais, du coup, c'est bien la Mega. Hein. C'est la Mega. Il n'y a pas d'embrouille, c'est la Mega. Ah oui, donc lui, il est là que le samedi. Bah, on est samedi, oui, parce que je tourne le samedi, hein, la preuve est là, hein, écoutez. Hein. Voilà, Saturday. Hein, voilà. Donc, du coup, si je vais là-bas, je pourrais pas y aller, j'imagine. De toute façon, j'ai pas surf hein, sur moi, mais voilà. Ok, donc là, c'est l'arène. Ah, ok, d'accord. Imbiro, c'est impossible pour un dresseur normal de, normalement constitué de gagner le combat. Eh ben, on verra ça au prochain épisode, mon petit coco. Hein. Et là, on va récupérer, du coup, je sais plus ce que c'est Kingdom. C'est samedi. Je suis Santos de samedi. Du samedi. Prends ça. Ok, le sable doux. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant pour Rhinophéros, notamment. C'est très intéressant. Et eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, bien sûr. Pokémon Sacred Gold, les gens. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Et la prochaine fois, on fera la 8ème arène. La 8ème arène, je vais XP ma team en off. Et qui sait, peut-être que vous aurez des surprises la prochaine fois. Avec des petits changements. Je sais pas si je mets mes Pokémon niveau 50, en vrai. J'ai peur que si je les mets niveau 50, ça simplifie trop le truc. Je sais pas. En tout cas, je vais ramener tout le monde au niveau, ça c'est sûr, déjà. Donc, je vais peut-être le mettre niveau 49, en vrai. On verra, bref. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr. Un commentaire, hein, notamment pour des questions que j'ai posées pendant la vidéo. Et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine pour l'épisode numéro 20. Ça sera la vingtaine. T'as pas qu'une sacrée gueule, les gens. C'était TDKBS. Ciao, bye. Tout le monde.